Et salut à tous, c'est Xeno, on se retrouve ici pour la 7ème partie de Seiken Densetsu 3. Du coup, la dernière fois, on avait libéré le château de Roland, il me semble. On avait aussi... Enfin, on avait fait 2-3 boss. Hein, le boss mur casse-couille ultra relou. On avait battu les deux ninjas. Et on avait surtout fait l'épisode du bateau. On a récupéré Rombre avec ce boss. Ma foi, fort sympathique. Du coup, là, on va continuer tranquillou le scénar de Seiken 3. Du coup, on est arrivé sur l'île volcanique qui est sur le point de péter, du coup, qui est tenue par des plus ou moins des espèces de monstres. Alors, je sais que dans le remake, il y a moyen d'acheter des trucs. Est-ce qu'on peut faire du moins pareil ici? À l'ouest de ce village, il y a une grotte où vit le résident de la mer. Il peut vous aider à sauver vous sauver de l'île, mais l'entrée de sa grotte est bloquée. Le rocher est tombé devant, vous devez trouver un autre chemin pour y rentrer. Where is Angela? Angela in the kitchen. Ah, voilà, on peut acheter des trucs. Je sens qu'il y a des armes assez pétées. Enfin, des armes, tout. Mille, vas-y. Vas-y. Moi, je prends tout, j'achète tout. Je dépense sans compter. Voilà. On va vendre des trucs, du coup. Ça, on va le garder. Ça, on... Bon, je vendrai tout le reste après parce que j'ai un peu la flemme, on va se le cacher. C'est un peu relou les menus de Seiken 3. Alors, équiper. Épée d'acier. Attends, on va aller voir les équipements aussi. Y'a pas un petit con qui me vend des armures, un truc comme ça. Et bienvenue. Voilà, qu'est-ce que tu nous vends, toi? Bon, on va racheter des bonbons déjà. Jamais trop. Ni de chocolat, d'ailleurs. Parfait. Du coup, on va voir. Acheter. Voilà, on achète. Parfait. Du coup, on va pouvoir équiper tout le monde. Là. On va commencer par les donzelles. Hop, 73. 1. Bacane de rubis, on gagne pas des masses, c'est toujours ça de prix. Bikini tigre, voilà. Et du coup, il reste plus que notre ami Durand. Bon, bah, du coup, on va continuer. Il nous a dit à l'ouest, et bon, on va aller à l'ouest. Sauvegarder. Bon, dans 4 niveaux, faudrait que je repense à retourner à Roland, toucher la pierre. Bon, je serai niveau 18 avec tout le monde, bien évidemment, on va pas y aller. Alors, il a dit à l'ouest, hein. Alors du coup... Ça
faire des gaffes, il va y en avoir un autre dans le coin. Ouais. Nickel. On veut pas de ton lapin. Mal à goûter. Allez, mais... oui, il a récupéré 126, la petite grosse. Voilà. Du coup, là, il y a rien. Voilà, bon, un petit coffre piégé, histoire de mettre bien la bonne cannelle. Ah. Il va vouloir me donner un objet là un peu. Non. Et là. Voilà. Bon, ça fait de l'XP, hein, on va pas se plaindre. Tout à l'ouest. Ah, c'est fou, hein. L'autre peut-être. Là, c'est dans mon rien. Une statue de la déesse Mana. Bon, voilà. Du coup, où c'est qu'il faut aller? Ah, c'est là où on arrive, hein, d'accord. Et Victory, encore un coffre. Ah, là peut-être. Non, y a rien. Ah, on est de l'autre côté, d'accord. On est de l'autre côté. Bon, je suis toujours impressionné comment le jeu est beau. Il me fait peut-être un truc là. Je suis parti peut-être un poil vite. Ah, on peut pas y aller. Toujours impressionné de la beauté de ce jeu par contre. Ah. De la source, un peu de chance, voilà.
peut-être me permettre d'avoir un peu plus de graines, sans déconner. Non, on s'en fout du pantin. Peut-être aller par là. Peut-être retourner au village parler à plus de PNJ peut-être. Allez me. Du coup, on va continuer. Je sais plus trop où il faut aller en vrai. Je dis en 3D, c'est quand même pas la même chose qu'en 2D. Je suis caché. Oh, mais arrête de te soigner, je t'ai à peine touché là. Oh là là, je suis chiant. Ouais. Ah. Pour l'intelligence, hein. Un trou noir! Un petit trou noir! Ah, ça m'énerve ça. Ah, peut-être un endroit. Ah, les fameux Priaf. Les fameux Piaf! Oula, ils sont en train de. De me faire de bord. Du coup, j'ai la vie. On va voir un petit trou noir ce que ça fait. Non. Voilà, sur les deux. Ah là là, j'espère que j'entendrai pas le bordel qu'il y a encore dans la cave escalier. Ouais, c'est cool. Hein? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais Angela est décédée en plus. Oh. Angela est décédée. Ah, en plus, ça n'a plus de vie non plus. Oh là là. Commencez pas à faire les boulets, les gonzesses. Là. Bon, alors, du coup. Mais c'est qu'ils font mal en plus, ces putains de piaf. Depuis qu'ils faisaient autant de dégâts que ça. Incroyable. Par contre, ils ont l'air de donner de l'XP. Est-ce que du vent, ça me fait quelque chose peut-être.
lequel? Et de l'herbe. J'aime bien ça, l'herbe. Du coup, encore. Oh, ça va être trop lourd, ça. Ils se font tant de dégâts, là, comme ça. Ils font quand même. Oula. Donc j'ai là. Vache. Ça en énervé aussi. Essayer le vent du coup. Il va falloir mourir, monsieur. J'ai bu un bonbon, je pense. D'ici là, faudrait qu'on fasse encore le point. Incroyable. On va refaire ton nom parce que j'ai pas bien vu tout à l'heure. Très rond, c'est noble encore. Hein, non, du coup, par la salle. Allez, meurs là. Plus y a rien ici. Oh, c'est pas Starmag. Là aussi y a rien. Il faut aller où, putain? Il faut aller où?
Quelque chose par là, non, il n'y a que là, d'accord. Ah, peut-être là en bas. Non, là y a rien non plus. Oh, mais c'est chiant vraiment. On va se les faire parce qu'ils vont me saouler. Bon, on est complètement paumé encore, on va tourner en rond dans cet épisode, je le sens. Ah, nickel. Je vais mettre un peu plus de force. Ah. Fermez ta gueule, le chien, sans déconner. Oh, mais Lise est morte. Ils sont coriaces quand même. Pas ton truc là, c'est chiant. Mais du coup, c'est où qu'il faut aller? C'est où qu'il faut aller? Bon, là, c'est le village, on est d'accord. Ou pas? Ouais, c'est ça. Bon, on va les soigner. On va les sauvegarder. On va acheter des bonbons, des conneries, hein. Je sais même plus si on n'a pas une pierre ici. Acheter. Non, non, on s'en fout. On veut pas de tes trucs. Alors acheter. Du coup,
Bon, alors du coup, c'est où qu'il faut aller là? Qu'est-ce qu'il disait lui? À l'ouest de ce village, il y a une grotte où vit le résident de la mer. Il peut vous aider à vous sauver de l'île, mais l'entrée de la grotte est bloquée. Un rocher est tombé devant, vous devez trouver un autre chemin pour y rentrer. À l'ouest, on vient dire à l'ouest. Mais il n'y a rien d'autre, rien vu au village. La prochaine éruption sera très forte. Si vous voulez fuir, fuyez maintenant. Nous resterons là. C'est pas le froid, je vais bien. Bon. Continuer. Pas moins de faire un petit buffer là-dessus. Oh, bah, j'ai du bol. Mais donnez-moi des graines. On retourne là, d'accord. Là, y a rien. Là, y a rien. Oh les relous, arrêtez de vous soigner. Pour moi, c'est par là, mais... Petit ravage. Oh mais putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants, c'est même... Faut mourir au bout d'un moment. Mais meurs!
Ils ont quand même pris deux putains de magie, sans déconner. Faut aller là maintenant. Du coup, c'est où qu'il faut aller, putain, sans déconner. On prend tellement cher. Mais sinon, mais je peux rien faire, désolé. Que feras-tu, gnome peut-être? Rien, bah t'es ça, c'est l'entrée de la grotte, un instant. Bah voilà, c'était juste là en fait. Pourquoi je me fais chier à tourner depuis une putain de 35 minutes là? Oh, c'est chiant, vraiment. Ah, qu'est-ce que je peux être con des fois, je vous jure. Après, mais ce que j'ai aussi, faut dire aussi que c'est pas clair. C'est quand même 3 version originale. Bon, bah alors du coup. Donne de l'XP de mort ici.
J'aurais presque resté ici et farmer. Je ferais ça si je m'appelais à mon... Okay. Mais je vais point le faire. Parce que je suis un bon membre. Du coup, on va prendre un petit bonbon. Bon, par contre, ça c'était pas beau, par contre, le petit bip bip. Là. On parlait de la Mega Drive. C'est vrai que là pour le coup, la sonorité fait très Mega Drive. Peut-être pour ça que j'aime bien cette musique. Ah, ça y est, on a les poteaux. L'huile de poteau qui est assez craquée d'ailleurs. Oula, ça fait des heals de groupe, ça, j'aime pas trop ça, moi. On va être obligé de sévir, là. J'aime pas trop ça, les heals de groupe, moi. Parfait, du coup, on va lui mettre quoi encore en plus? On va lui mettre de la chance. Il va pas me donner de graines. Hein. Le petit enfoiros. 16, il n'y a plus que 2 niveaux du coup. Donc là, on va essayer de faire ça en speed quand même. Ah, il me bouffait en France. Très rond, ça me bouffait. On peut peut-être faire un truc assez pute. Là que ça vaudrait peut-être le coup d'acheter des objets du coup. Je pense à ça, mais tout ce qui est fléchette, c'est pas trop. J'ai fait ça, ça sert strictement à rien du coup. Incroyable. Un petit chocolat.
Victory. Encore un coffre. Ah, graines étranges. Et ben voilà. Ah, les graines étranges, c'est bien ça. Je sens. Je crois que c'est les graines qui sont juste au-dessus. Là. Faut donner des graines, ça. Très bien, les graines. On a un coffre ? Pas de coffre. Du trou. Lise, est-ce qu'elle est bien en PV ? Il y a un petit bon pour prendre des bonbons. Voilà. du coup. Du coup, sans bruit. On va prendre des bonbons. Combien j'en ai pour 32 d'ailleurs. Ça va bien prendre du temps. On était piégés comme des gros Thanos. Oh là là, j'aime pas trop ça quand ça se soigne. C'est interdit par la convention, on a dit. Non, pour prendre Gela. Mais t'avais plus que 9 pour monter. Ta-ta-ta. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre avant Gela? De l'habitat peut-être un peu. Une petite graine. Une petite graine. Oh, mais pas un truc piégé, en plus. Après, j'ai une graine. Ça va. T'es pardonné. Ah bah c'était là où on était tout à l'heure. Mais venez là, on se bat. De toute façon, on peut pas les attendre, c'est chiant. Ah ça j'aime pas trop ça.
Enfin, j'ai pris quand même tarif. Hein. Je m'étais mis full vie, hein, juste avant. J'ai pris un combat avant, certes. C'est pas abusé. Encore un peu plus de force. C'est la suite. Là, y a rien. Ah, mais c'est l'infini le truc là. Ça sent le petit coffre, petite graine. Non, bon, bon. Bon, ça meurt là, voilà. Ça meurt mes conneries. Bon, ça sentirait bien la fin, ça. Oh oui. Bien. On va aller par là-bas du coup. Victory. Tu l'as. Et c'est infini cette droite là. Faut s'en mettre 16 en plus.
coffre. Ah, du coup, je suis désolé, je parle pas beaucoup. Je suis un peu claqué en ce moment. Je suis un peu concentré là, à vrai dire. Non, putain, ils font chier avec leur vie. Ah bah des graines, ça c'est très bien les graines. J'aime bien ça les graines. C'est infini quand même hein, ce passage. C'était moins long il me semble sur le remake. Eh ben dis donc. C'était pas par là. Eh ben putain. Toujours plus. Magique. On va remettre des chocolats après. Donc j'en ai. Il me reste plus qu'un. Manger là du coup. Ah mais j'ai même plus de bonbons non plus. Chocolat.
me soigne alors qu'il y avait une putain de statue humaine à côté, quoi. On va continuer, on a combien sur les captures? On a 55 minutes. Ah, qui est là? Je suis Jagan. Je suis venu accomplir la prophétie du prince noir, mettre fin à vos vies. Rouge, tu es l'homme dont parlait le marchand. Rends-moi Elliot. Donc tu es sa sœur. Je ne peux pas te le rendre. Je peux pas te rendre Elliot. Le prince noir en a besoin. Quoi? Attends une minute, qui est le prince noir? Je pourrais bien te le dire. Mais vous allez bientôt mourir de toute façon. Sauf qu'on va bientôt rentrer en éruption. Il rentre en éruption. Elle a écouté la musique qui va arriver dans quelques temps. C'est tellement énorme. Et quoi? Et tu es là pour nous sauver? Écoutez-moi ça. Merci, nous sommes saufs. Maintenant, nous allons à Forcena et parlons des autres pierres mana. Est-ce que c'est intéressant d'aller les chercher, franchement? Oui, je vois comment qu'ils vont qu'on retourne. Coupe de vie. Parfait. Coupe de vie. Noix magique. Tu n'as pas de graines. Oh. Mais oui, on va replier. On attend. On va regarder quand même s'il n'y a pas des nouvelles armes à Mayum, ça m'étonnerait. On va retourner à Forcena, on va faire tout le bordel et puis on va s'arrêter là, je pense. Le jour d'Atana. On va sauvegarder. Toujours sauvegarder encore. Alors, du coup, les endormes. Non, y'a rien de...
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, bah voilà. On va refaire un peu le plein. J'ai pas mal de thunes, autant en acheter. Voilà. Ah, c'est bien, vous m'avez vu presque une heure à tourner en rond pour rien et acheter des trucs. Ça, si c'est pas un beau, une belle épopée comme on aime. Pour la route, si tu veux, les coupes, je suis bon, on va en racheter plusieurs coupes. Hein. Voilà, parfait. Bon, du coup, on va aller à un truc là. Si tu veux encore la fortune, va devant. Un petit tour de voyage canon. On arrive pile poil dans le château, c'est pas beau. Vous êtes revenu avec l'esprit, les esprits de lumière, terre, vent et ombre. Vous en avez encore 4 à trouver. Je compte sur vous. Un royaume d'Altena. Pierre de Mana de l'eau et Altena dans une grotte au sud des plaines. Vous y trouverez Ondine, mais soyez prudent, l'énergie de la pierre a été libérée. Au sud du désert des flammes se trouve la vallée des flammes. Là, vous trouverez la pierre du feu et son esprit gardien Athanor. La dryade. Non, ça c'est l'esprit de la lutte. Au sud d'ici, vous trouverez la forêt claire de lune et la pierre de mana de la lune. Les hommes loups y vivants sont très forts, donc soyez bien préparés. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau ce plan. La pierre mana du bois est dans la forêt des merveilles, mais elle est inaccessible. Au sud se trouve la forêt Floraland, Lampe, et le village Elfe Dior. Le roi des elfes vit à Dior. Il en sait beaucoup sur les pierres mana. On trouvera Dryade. La tortue géante qui vous a amené de Bouka se nomme Bouscabou.
Normalement, elle n'approche pas les gens. Mais elle devait savoir que la fée vous avait choisi. J'ai une flûte qui était utilisée pour l'appeler autrefois. Allez à la plage, jouez de la flûte et elle viendra. Prenez-la. Parfait. Bon, bah on va les sauvegarder, on va s'arrêter là. Du coup, je pense que la prochaine fois, on va aller au désert, je pense, comme j'avais fait dans ma première partie, pour aller chercher Athana. Après, je ferai peut-être Altena, peut-être. Je sais que Dryad, faut... On pourrait y aller à Dryad. Après Altena. Bon, allez, on a roupillé. Oui, on va s'arrêter là, je pense. On a combien? Une petite heure, 7, presque 10. Parfait. Sauver votre partie, oui. Voilà. On a quand même pas trop mal avancé. On a récupéré la flûte. Vous avez vu Bouscabou, du coup. Avec sa petite musique reggae. On n'a pas fait de boss. Mais c'est pas très grave. Là, on va rentrer quand même vers la fin du premier cycle, je pense, dans pas longtemps. Faudrait que j'arrive à farmer un petit peu un endroit pour bien farmer pour choper les deux niveaux là. Comme ça dès qu'on arrivera à la prochaine pierre mana. Je pense qu'à la prochaine pierre mana on va pouvoir monter de classe. Ça va être beau. En tout cas j'espère que cette 7ème partie vous aura plu. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.